La toute première condamnation remonte à février 1996. Le suspect écope de 15 ans de prison pour viol sur mineur et séquestration, une décision de la cour d'assises de l'Essonne. Août 2009, deuxième condamnation, cette fois par la cour d'assises de Rennes, 2 ans de réclusion pour avoir agressé sexuellement un enfant de moins de 15 ans. Je me perds et baisse les bras, je me renferme, je ne comprends toujours pas. Je crie au secours et pleure quand j'y repense, à ces souvenirs si douloureux pour moi. Aujourd'hui, j'ai encore du mépris, j'ai mal et je tremble, j'ai peur de la vie. Je t'en prie, aide-moi, j'ai besoin de toi, besoin que tu sois là. Maman, aide-moi, j'avance avec foi, mes larmes coulent, je n'arrive plus à me battre. J'ai demandé à Dieu d'effacer ma mémoire, d'effacer ce mal qui m'a tant fait perdre espoir. Aujourd'hui, j'ai besoin de te voir et de te dire ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Car trop longtemps, j'ai caché ce jour particulier où ton propre fils s'est fait violer. J'ai peur, je pleure, j'attends que vienne mon heure et je meurs. Ce n'est qu'un putain de violeur. J'ai peur, je pleure, j'attends que vienne mon heure et je meurs de douleur, de douleur. Mais normal, ce n'est qu'un putain de violeur. Petit matin, je me lève et prends mon déj. Arrivé à midi, je sens ma mère me dit: reviens vite mon fils. Et moi je t'ai répondu: maman, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de sortir pour m'aérer l'esprit. Arrivé, j'ai vu cet homme bien plus âgé, pourtant je me suis pas enfui, je l'ai suivi chez lui. Au bout de 5 minutes, il m'a attaché, il m'a dit: t'inquiète bébé, je veux juste te baiser. J'ai peur, je pleure, j'attends que vienne mon heure et je meurs de douleur, de douleur. Mais normal, ce n'est qu'un putain de violeur. J'ai peur, je pleure, j'attends que vienne mon heure et je meurs. Qu'un putain de violeur. J'ai peur, je pleure, j'attends que vienne mon heure et je meurs de douleur, de douleur. Mais normal, ce n'est qu'un putain de violeur. J'ai peur, je pleure, j'attends que vienne mon heure et je meurs de douleur, de douleur. Mais normal, ce n'est qu'un putain de violeur. Tous mes espoirs se sont envolés, désormais je suis seul. J'attends d'être sauvé et enfin que revienne ma liberté. Comment peut-on faire du mal à cet âme sans défense, lui enlever sa dignité ainsi que son innocence. Aujourd'hui j'écris pour libérer ma conscience, tous mes souvenirs enfouis qui m'ont engagé l'existence. J'ai peur, je pleure, j'attends que vienne mon heure et je meurs de douleur, de douleur. Mais normal, ce n'est qu'un putain de violeur. Ce n'est qu'un peu.